Moi, je pense qu'on devrait arrêter le vote aux gens qui ont plus de 40 ans. Moi, je pense qu'à un moment, tu sais, on dit plus t'as 40 ans, tu votes plus. Et tu laisses les jeunes de faire. Moi, c'est ma nouvelle théorie, ça. Je suis en train de réfléchir là-dessus. Si demain je suis invité à Backseat chez Jean Massier, j'écoute, je lui fais Jean Massier. Les jeunes, c'est eux qui doivent décider qui ou on truc. Donc, du coup, ceux qui ont plus de 40 ans, hop, allez, ça dégage, vous votez plus. Ceux qui ont moins de 40 ans, vous votez, c'est à vous qui appartient le pouvoir. Voilà. Bon, salut les kids, on a été élus. Merde, bon voilà, moi je pensais que c'était une blague, mais j'avais pas compris, à plus Célie, j'avais pas compris que qu'on va devoir faire, qu'on allait passer, je pensais pas du tout, on a bien niqué tout le monde. Donc du coup, promène loi, allez, on avance, Titouan, je vais prendre des noms de jeunes, Titouan, c'est quoi ta première loi? Plus de V-Bucks pour tout le monde. Oui, bon, après, je sais pas si c'est vraiment utile, des V-Bucks, mais bon, laisse tomber avec tes V-Bucks. Caro Clean, oui, c'est Caro Clean, pardon, parce que toi, tu fais partie de cette génération où on invente des prénoms. Caro Clean, très bien, Caro Clean, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Plus de téréalité à la télé. Oh, putain. Ça va être dur, les gars, ça va être dur, on va pas s'en sortir. Beck Benzen, ça va être pas facile, tes parents t'ont appelé Beck Benzen, les mecs ils ont pas été sympas avec toi. Donc toi tu voudrais quoi qu'on vote aux gens en fonction de leur physique, comme sur TikTok. C'est pas l'idée la plus conne de la journée, c'est pas l'idée la plus conne.